Eh bien bonjour à tous, c'est Izark et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Alien Isolation. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est bien sombre puisqu'on est dans le cœur d'Apollo et il va falloir donc réduire les capacités de sécurité d'Apollo. C'était assez tendu sur la précédente vidéo puisqu'on est rentré, enfin pour rentrer au niveau du cœur d'Apollo, eh bien il y avait pas mal de droïdes qui m'ont embêté. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui traînent autour et c'était extrêmement tendu puisque j'ai pas d'armes. Donc enfin j'avais juste mes petites bombes et mes cocktails, mais ça leur faisait pas grand chose. J'ai l'impression limite ça leur faisait des petites piqûres. Donc c'était très tendu. Là il me reste d'ailleurs plus rien. J'ai plus de bombes tuyaux, cocktail il m'en reste 2, mini-EM il m'en reste plus, donc c'est vraiment très très tendu. Et le taser, voilà, je vais pas faire grand chose avec ça. Au pire, je rebalancerai peut-être des fumigènes, on verra ce que ça va faire. Ou j'ai même des bombes fumigènes, enfin bref, on verra. Mais là, du coup, je dois donc utiliser le synthoniseur. On va voir ça. Donc c'est quand même tendu puisque là, je dois réduire ses capacités. Vous allez voir que, en fait, pour. Alors attendez. Juste que je trouve le signal, mais pour trouver le signal c'est vraiment très tendu parce que du coup Apollo se défend bien. Voilà, et voilà, en fait dès que je touche eh bien je peux rien faire. Donc le but ça va être de le rendre un petit peu plus vulnérable cet ordinateur, parce que là comme ça je pourrais rien faire. Et j'ai essayé de faire quelques tentatives et c'est vrai, c'est vraiment trop tendu. Donc voilà, utiliser. Alors qu'est-ce que je dois faire par contre? Utiliser pour équilibrer les valeurs et confirmer avec. Ils auraient pas pu me mettre un truc plus sympa là. Pour équilibrer. Ah d'accord, je dois le rendre d'accord. En fait, faut que il y ait le moins d'écart possible, je pense. 68, 80, 69, 70. Donc là, il y en a 8. Mais c'est ça, normalement, je pense. C'était ça, c'est déjà fait? D'accord, bon, j'ai pas trop compris, c'était un petit peu bizarre. Normalement, il doit y en avoir un deuxième. Parce que j'avais vu sur la précédente vidéo qu'il y avait une autre trappe. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'ils vont mettre là? Ah, c'est de l'autre côté. Voilà. Alors, je suis censé faire quoi là? Appuyer sur les données correspondantes lorsque le circuit est actif. Je comprends pas. Voilà. En fait, je fais n'importe quoi là, j'ai l'impression. D'accord. D'accord, en fait. Utiliser le synthoniseur sur le terminal du dôme. Donc là, c'est bon. En fait, ouais, j'avais pas vu, mais c'était les flèches. C'est avec les flèches directionnelles qu'il fallait que j'appuie. Alors, attendez, il faut pas que je sorte du mauvais côté. Ouais, c'est là, normalement. Hein. Par contre, ce qui me fait peur, c'est quand les droïdes ils vont pouvoir venir. Je vais peut-être me faire dépouiller, donc ça me fait un peu peur puisque j'ai pas de munitions toujours et j'aimerais bien récupérer mon petit fusil. Alors. Il est où le signal? Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Hein. Tac. Il est où? Il est là. Et le dernier. Voilà. Bim! Donc consulter Apollo. Oula, ça tremble. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a de la lumière. Ça me fait plaisir. Où est-ce que je vais pour consulter Apollo?
Faites voir. Non, c'était bien là où j'étais, hein. Mais j'ai pas l'ordinateur, je pouvais rien faire. Droit d'administrateur obtenu. Ah ok, parce que ça... Il y a des trucs qui se passent. Ah d'accord. Ouais, j'aurais pas confiance moi. Avec ce qui s'est passé avec Samuel. Alors, on va s'amuser un petit peu. Un petit Tetris, non? Négative. Quoi? Qu'est-ce que... Deux jours après notre départ, c'est une blague. Il est pas sur cette foutue station. Quoi? Merde. Donc, enquêter dans le réacteur central. Il est où ce réacteur central? Il est juste à côté? Apollo en dessous de son cœur. Ah d'accord, c'est là. Je vais juste refaire une petite sauvegarde pour éviter de recommencer ce que je viens de faire. Voilà. Ça me stresse un petit peu de voir le bâton de fumigène, là. Voilà. Donc là on est où? Ok, là il y a un terminal. Et il n'y a que ça. Hein. Alors accéder au terminal. Donc, personnel, rapport d'interaction avec Apollo. Non, je voulais cliquer sur ça. Alors, classe, ouais, ça j'ai lu. Requête pour communication inter-entreprise reçue. Message à destination des représentants de Weyland-Yutani accepté et suivi. Ensuite, rapport d'incident du marshal de la colonie. Mesure d'urgence temporaire initialisée à la maison médicale San Cristobal. Aucune information supplémentaire fournie. Interaction extérieure. Commande d'achat reçue. Ensemble de règles opérationnelles de Weyland Yutani reçues, vérifiées et installées. Pas mal de lectures là, qu'est-ce qui se passe? Rapport d'incident du marshal de la colonie. Prolongation des mesures d'urgence initialisées à la maison médicale San Cristobal. Aucune information supplémentaire fournie. Scan de la station initialisée sous la directive Weyland Yutani. Alerte confinement du danger, scan non vérifié dans les systèmes du réacteur, ordre spécial 939 initialisé, priorité numéro 1, protéger le spécimen, d'accord. Maintenir la station en quarantaine, interdire les communications. Historique d'arrivée sur Sébastopol, nouveaux habitants enregistrés dans le système d'Apollo par le personnel synthétique. Ripley et Amanda, niveau 2. Weyland Yutani et Taylor et Nina, niveau 4, Weyland Yutani. Samuel Christopher, niveau 3, Weyland Yutani. Peuvent être sacrifiés. Ah d'accord, sympa. Donc nous on est niveau 2. Ensuite, classe alerte confinement du danger. Menace viable à l'encontre du spécimen détecté dans les labos. De projet KG348, alerte confinement du danger élevé à Oméga. D'accord. On va lire le deuxième. Alors, Motus et bouche cousue. Spading ici ransom. Étant donné le rachat par la Weyland Yutani, il est d'une importance capitale que la restitution de la
boîte noire se fasse en douceur. Ces gars sont sûrement des employés peu importants qui n'auront sûrement aucune idée de ce rachat. Mais s'ils en vendent des rumeurs sur les gens qui disparaissent, j'ai pas envie de faire de vagues. Et vous non plus. Essayez simplement de vous faire le plus discret possible, ce serait con qu'ils changent d'avis. D'accord, partagez. Y'a rien. Non, non, reconnecte-toi. Voilà. Audio. Y'a rien non plus. Et utilitaire, y'a rien. D'accord. Et je suis censé faire quoi maintenant? Alors, on va voir au niveau du radar. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit rien. Peut-être ici. Ouais, voilà. Donc vers la salle des machines. On va appuyer. Direction noyau du réacteur. Ok. J'aimerais bien, en tout cas, comme j'ai dit, récupérer mes armes. Surtout que je suis pas très bon au niveau de l'infiltration. Et j'ai pas envie de me faire courser par des robots encore. Alors, où est-ce que je vais atterrir? T'es en ligne, Ricardo? Je m'arrête. Tu m'entends? Apollo utilise des protocoles de Wayland Yutani. Quoi? Sigson a revendu. Ricardo, Apollo refuse de céder et dit qu'il y a un problème dans le réacteur. T'es de la compagnie. Dis-lui que t'en as rien à foutre et qu'il doit t'obéir. Désolé, Ricardo, mais je compte pour du beurre. Samuel, Taylor, moi, on n'est que du vent. Je suppose que si on valait quelque chose, Apollo aurait un peu moins envie de nous tuer. Donc, enquêter dans le réacteur central. Ça sent pas bon, hein. Faites voir. Non, là, y a rien. Ça a l'air quand même bien grand ici. Donc aller au réacteur, mais ça me dit pas où est-ce que je dois aller. Ah, il y a un robot. Bonjour. Rétablir le courant. D'accord. Ah, ici, il y a rien à faire. Ah. Voilà. Et lire. Chef, il se passe quelque chose d'étrange. Les synthétiques perdent la boule. Alors j'ai trouvé des gars pour me filer un coup de main. J'en ai envoyé un à la salle de fabrication, mais il n'est jamais ressorti. Toutes les portes sont verrouillées et c'est certain qu'il ne pourrait pas passer dans un conduit d'aération sans galérer. On ne sait pas trop quoi faire. Ça paraît un peu injuste de continuer le travail sans s'arrêter pour le retrouver, mais on ne sait pas où chercher. Notre service est bientôt fini. Je vais rapporter l'incident à Waits et au Marshall. Ok. Donc là, je vois, oui, qu'il y a un point de sauvegarde de l'autre côté, avec une porte... avec une porte, mais je fais comment pour y accéder? Y a pas un endroit où je peux passer, peut-être en dessous? Non. Non. Et là, faites voir, donc ici, il y a pas de porte. Non, là, il y a rien. Donc, alimenter le système de tram. On va le faire. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas envie que l'autre robot y vienne, hein. Du coup, on va sûrement appuyer ici. Voilà. Activer le tram. Voilà. Je
Parfait. Ok. Comme ça, je vais pouvoir passer tranquillement. On va aller sauvegarder. Voilà, nickel. Allez, maintenant on va voir du coup qu'est-ce qui se cache derrière. Faites voir. Non, ça me dit rien au niveau de la map. Ah, d'accord, j'ai rien. J'entends des bruits étranges. Ah, il y a des caméras. Je crois que je vais être forcé de passer là. Faites voir au niveau du radar. Non, ça me dit rien. Ah, voilà, ok. Je dois aller donc là-bas. Un petit peu loin. Que je peux y aller à votre avis? Oh putain. Je commence à flipper un petit peu. Hein. Bon. Visiblement, ça a l'air d'aller. Le droïde vient pas ici. Juste, je vais vérifier. S'il n'y avait pas d'objet, non, c'est bon apparemment. Il fait quoi comme chemin en fait? Ok, il est là. Là, il revient. Par contre, je sais pas s'il rentre ici ou non. Ça voilà, ça je voulais prendre. Ok, là, il se barre. Nickel. Donc faites voir, je suis où? Ok. Donc là je peux passer ici. Ah, ok. Je dois passer ici. Et là j'ai pas le choix, je regarde juste comment réagit la caméra. Eh ben, jusqu'à où c'est là? D'accord. Donc en tout cas, j'ai pas entendu de droïde. Donc ça, c'est bien. Je pense que je vais du coup passer... Je peux peut-être rentrer dans la pièce, là. Il y a peut-être quelque chose à récupérer. Alors je vais juste attendre que lui il passe. Oh putain, il y a plein de caméras. Les choix. Hein. Ok. J'entends un droïde. Ouais, c'est celui qui était derrière. Il vient là ou quoi?
Je crois qu'en fait, sa ronde s'arrête là et après il retourne de l'autre côté. Ben voilà. Nickel. Juste. Non, là, il n'y a rien d'autre. Je vais peut-être m'arrêter 2 minutes, voir si je peux peut-être faire une petite bombe. Non, hasard, il n'y a rien. Et là, je peux rien faire non plus. Ok, bon, c'est génial. Je vais rester peut-être avec le taser, même si, bon, comme j'ai dit, ça ne sert pas à grand-chose. Faites voir l'anneau. Donc là, ça va être chaud. Hein. Parce que là, il va falloir que j'aille quand même... Il va falloir que je sois vraiment très très rapide. Pour esquiver vite les deux caméras. Ouais. Ouais. Et j'espère que derrière, il n'y a pas une autre caméra ou un droïde. Enfin, on verra. Allez. Juste attendre, voilà, que lui, il parte. Allez, 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 allez. J'ai pas du tout intérêt à détecter, enfin à déclencher la cam. Allez, barre-toi. Donc faites voir, là y a rien. Non, y a rien. Je suis au niveau... Ok, bon. Ça me dit pas trop où je vais, là. Non, là, il n'y a rien. Utiliser le soudeur ionique, d'accord. Ah oui, d'accord, parce que là, je peux rien faire. Et là, non plus. Donc, je suis obligé d'utiliser le soudeur. Par contre, j'entends des bruits bizarres hein, depuis le début. Voilà. Hop. Nickel. On va mettre plutôt la lampe parce que là, ça commence à être bien sombre. Hein. Alors. Du coup. Ok. Je dois aller là. Et. Ici. On va éteindre la lumière. Il y a un robot là-bas. C'est bien ça, hein. C'est un droïde tout au bout. Sauvegarde qui va bien. Voilà. Alors attention, hein, parce que lui, il va sûrement m'embêter. Faites voir où je suis du coup. Je suis là. Ok. Et je dois aller là-bas. Bon. Il veut pas bouger lui. Ça m'aide pas trop qu'il reste comme ça. Hein. Je vois pas comment je vais faire hein, du coup. Et je peux toujours rien faire. Non. Bon. Ouais, celui-là est... Ah, ça y est, il bouge. Merde.
Mais on dirait qu'il est gentil. Merde, je suis bloqué. Ouah. Non, il est pas gentil, hein. J'ai envie de me le faire. Allez, 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 allez. Ce n'est pas la solution. Putain, je vais mourir. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je vais mourir. Allez, 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 allez. Non, 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 non. Je suis mort. Je vais mourir. Allez. Non, j'arrive pas à le choper, hein. J'arrive pas. C'est chaud à se faire solo comme ça, je trouve. Ah, je voulais utiliser l'émetteur de soins, mais en fait, je vois pas trop à quoi ça sert. Non, m'attrape pas. Fais pas le con. Putain, il va trop vite. On va le cramer un petit peu. Ouais, mais quoique, non, attendez, parce qu'il y a, en fait une sorte de... trophée que je peux avoir. Ouais, vas-y, on va le cramer, hein. Parce que je sais qu'il y a un trophée à avoir juste en le tapant. Je crois qu'il est pas content, hein. Regardez-moi ça, juste pour un droïde, tout ce qu'il faut que je lui mette. Voilà, donc là enfin je suis débarrassé de ce droïde de merde. Clairement, je peux le dire. Et je suis un petit peu dans la merde. Parce que là, j'ai plus rien. Hein. Déjà, on va se remettre au taser. Donc comme ça, ça va me permettre de bien vérifier toute la pièce tranquillement. Voilà, donne-moi des munes, même si j'ai pas de fusil, donc ça sert pas à grand chose. Porte fermée. D'accord, ça m'aide beaucoup. Je vais peut-être sauvegarder parce que bon, vu que j'ai buté. Ok, je vais alimenter ici. Attendez, je vais quand même vérifier. Il y a quoi à faire? Niveau d'électricité trop faible. Ok, ça, on le ramasse. Justement, c'est ça que j'ai envie de faire. Bien vérifier qu'il me reste rien d'autre à faire. Rétablir le courant. Niveau de sécurité. Ok. Alimenter l'atelier. Bon. Ah. Non. Je peux rien faire d'autre. Ok, bon. On va aller au point de sauvegarde. Et on va aller activer tout ça. Voilà.
Nickel. Par contre, ce qui me dérange, du coup, c'est pour me soigner, comment je vais faire? Émetteur de soins, en fait, je sais pas comment, comment ça marche. Et là, ça va me soigner. Non. Je sais pas à quoi ça sert, franchement, l'émetteur de soins. Je voulais l'utiliser là tout à l'heure, j'en ai mis un, mais au final, ça sert à rien leur truc. C'est génial! Ça sert à rien, bon, ok. Bon, allez, on va aller activer du coup. Ah, ça voilà. Il y a toujours des trucs à récupérer. Hein. Alors, donc là, je crois qu'il n'y a rien à. Ah, il y a encore quelque chose à récupérer. Voilà, et voilà. Je vais voir si je peux. Non. Oui, voilà, ça me plaît. Et du coup, je peux même peut-être. Ouais, je peux me soigner. Voilà, nickel. Comme ça, au moins au niveau de ma vie, je suis bien. Par contre, j'ai toujours. Enfin, j'aurai pas de medikit. Il me manque un ingrédient. Alors, on se remet au taser. On va alimenter l'atelier. Voilà. Donc, celui-là, c'est fait. Il y a un autre point. Ouais, voilà, il est là. Là, il n'y a rien. Ah, si. Utiliser. Ouais. Non, celui-là, je peux pas. Allez, on va aller sur un autre. Est-ce que c'est là? Non. C'est là, je crois. Voilà, alimenter l'atelier. C'est parti. Parfait. Alors, par contre... Ah, ça aussi, j'avais pas vu. Voilà, nickel. Au moins, l'avantage, c'est que quand je vais récupérer mon fusil, eh bien, j'aurai pas mal de choses. Alors, attendez, parce que là, je suis perdu. C'est... J'ai l'impression que tout se ressemble. Est-ce que j'ai activé lesquels? Il y a des câbles qui vont partout. Donc celui-là est actif. Là, il n'y a rien. Ça, ok. Voilà, celui-là, je peux. Nickel. Et là, je pense que maintenant, le courant est bien actif. Voilà. Faites voir, niveau de sécurité trop élevé. Bon. Décidément. Allez, ouvre-toi. Enfin, allume-toi, toi, déjà. Est-ce que ça va me permettre ici? Non. D'accord. Et donc, je suis censé passer en dessous. Bon. Allez. Non, je suis obligé de rester avec la torche, là. Sinon, ça va être le bordel pour voir. Alors, ok, sur la gauche. Et apparemment, ça remonte. Ouais, on va éteindre tout ça. Bon, Edouard.
Je suis toujours quand même bien éloigné, hein. Et je vous avoue que là, je suis limite un petit peu perdu par rapport à là où je suis à chaque fois. Parce que ça me fait 36 000. En fait, j'arrête pas de tourner en rond, j'ai l'impression. Utiliser le soudeur, ok. Faites voir juste. J'aimerais voir. Donc là, il y a une porte. Mais est-ce que je dois l'ouvrir? Déjà, on va sauvegarder la partie, on sait jamais. Ça va parce que au moins il y a pas mal de points de sauvegarde, je trouve. D'accord, ouais. Bon, on va éviter. Faites voir, ça me faisait aller où? Ouais. C'était des pièces, je crois, déverrouillées, le store. Il est où ce fameux store? D'accord. Je dois aller sur la droite. Je vais quand même ouvrir cette porte, parce qu'on sait jamais. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Ça me tracasse. Voilà. On peut l'activer maintenant. Non, c'est juste ça en fait. D'accord. C'est la pièce où j'étais. Bon. Eh bien, on va aller déverrouiller. C'est quoi que je dois déverrouiller? Le store. Et ce qui m'embête, c'est qu'il y a un droïde. Ok. Et là, je suis obligé de passer là-bas. Donc, faites voir, il est où ce fameux droïde? Il y a un robot quelque part. Il est là. Ouh là là. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de l'importance. Est-ce qu'il me voit? Barre-toi. J'espère qu'il va pas venir. Tu peux partir, s'il te plaît? Je crois qu'il me voit. Ouais. Il sait pas trop quoi faire, je crois. Ouais, bah si tu peux éviter de m'attraper, ça peut être sympa. Hein. Ouais, il me fait la misère celui-là. Je vais mourir. Je vais mourir parce que j'ai plus rien. Ouais. Donc recommencer la sauvegarde actuelle. Par contre, ce qui me dérange, c'est comment faire pour l'esquiver, ou alors j'aurais peut-être pas dû rentrer dans cette pièce. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de munitions et d'objets à prendre. Ah oui, d'accord. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a pas mal. Des droïdes, j'en ai vu deux passer.
Ah mais de toute façon, ici je peux pas passer normalement, je crois. Ouais. Porte fermée. Donc en fait, je suis vraiment obligé de passer par là où j'étais. D'accord, alors attention. Comment faire? Il y a peut-être quelque chose pour me cacher sinon? J'espère juste que lui, il ne va pas venir là. Il vient ou quoi? J'ai d'autres préoccupations. Ça va, il se barre. Je pensais qu'il allait venir, hein. Oh putain. Pour assurer la sécurité et la connexion optimale de Sébastopol. On va le suivre. En fait, il se barre pas, je crois. Ouais, il se barre pas. Putain. Quelque chose ne va pas. Ne criez pas de tout ici. Ouais, bah laisse-moi tranquille. Ah merde, je me suis cramé en même temps. Bon, ok. Je crois que ça va être un petit peu tendu là. Parce qu'en fait, le fait qu'il passe, enfin qu'il repasse, c'est un petit peu chaud. Hein. Donc faut que j'essaie de voir comment il tourne. Mais bon, ouais, c'est bien bien tendu. Hein. Il y a même 3 droïdes, je crois, là-bas. Bien bien chaud, hein. Allez. Au niveau du radar, donc là, on est bon. Et lui, il arrive. C'est pas cool. Est-ce que je peux pas le buter quand il est derrière? Donc là, il arrive. Allez, bouge. Parce que là, du coup, je vois pas où il est. Voilà. J'hésite. Soit j'essaye de le buter, là, encore une dernière fois. Soit j'essaye de passer. En fait, il fait tout le tour de la pièce. Hein. Oh, regardez-moi ça, il fait tout le tour. Oh là là. Allez, ferme-toi. Attention, pour prendre un cas
Bon, la porte elle va pas se fermer. J'espère juste qu'il va pas regarder ici. Quelqu'un est toujours là pour vous, aider. Merde. N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité Sixth. On va se barrer. Je vais mettre ça. Qui va venir? Non, il ne suit pas jusque là. Ah si, quand même. Oh là 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 là. Merde. Cette zone est interdite. Et je sais que vous êtes là. Allez, barre-toi. Que faites-vous ici? Suivez-moi, je vous prie. Allez. Allez, buteux. Bon bah c'est mort. Putain, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce que du coup, en plus la porte qui était fermée... Putain, y a tout qui fait que je vais pas y arriver. Hein. Tout ça juste pour une porte, je suis un peu dégoûté. Ouais. On va y aller en speed. Merde. Et le truc, c'est que là, j'ai rien pour me cacher, en fait. Allez, barre-toi. Pour un synthétique, la journée ne finit jamais. Ah, pourquoi il a pas fait son tour? Il aurait fait le tour là de la pièce, hein, enfin de la table, et j'aurais pu le contourner. En fait, il fait des tours un petit peu n'importe comment, hein, depuis tout à l'heure. Le niveau de confinement de danger s'est intensifié depuis aujourd'hui. Ça peut faire mal, ça. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être me le faire. Hein. Je vais juste attendre qu'il passe et... Comme ça, je vais pouvoir accéder au terminal. Ah. Mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas en fait. Oui,
Voilà, en fait, ok. En fait, ça met du temps. Voilà, nickel. Bon, bah je vous propose de sauvegarder avec avec ça. Et enfin, je suis armé. J'ai eu chaud, hein. Encore une fois. Et en fait, il suffit, ouais, donc de rester longtemps appuyé. Je comprenais pas au début, je me disais, mais tire. Voilà. La petite sauvegarde qui va bien. Du coup, je vais pouvoir progresser enfin. Et ça, ça fait plaisir. Et du coup, les robots, ils vont prendre cher aussi. Alors, je vais aller voir donc le fameux terminal. Et en plus, cette pièce, je vais pouvoir bien la fouiller. Quoi ça? Ok, non, il n'y a rien. Et ça, voilà. Alors juste faites voir. Non, là il n'y a rien d'autre. Je vais en avoir vraiment beaucoup des munes. Hein. Là il n'y a rien. Et là il n'y a rien. Ah. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un mec qui était dépouillé. Sympa. Donc faites voir si je peux peut-être me faire. Non, je peux rien faire encore là. Et je peux rien faire là. Ouais, bah en fait, je peux vraiment rien faire. Alors, on va accéder au terminal. Donc, code des stores. Chef, je me rends à la maintenance du réacteur comme demandé. J'ai fermé les stores derrière moi. Le code qu'il te faudra, c'est 6832. Distribution de courant. Alors. Flore, il faut que tu viennes au réacteur de maintenance. J'ai reçu des rapports de chute de tension sur toute la station. Je sais que c'est le bordel partout, mais j'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir un problème avec la distribution de courant. Est-ce que tu pourrais faire une vérification complète des systèmes? Ok. Et je viens te chercher. Donc Flore, si tu es encore là, trouve un endroit et attends-moi. Je viens te chercher. Il faut qu'on se serre les coudes à présent. Sander est mort et au moins 4 des autres ingénieurs sont introuvables. Un de ces satanés androïdes a manqué de me décapiter. Du coup, j'ai assemblé quelques pièces pour me faire une arme. Elle a assez de puissance pour perforer ces bâtards. Je serai là dès que je peux, chef. Ah, c'est lui qui doit être mort alors. Et c'est donc son arme que j'ai piquée. Ok, donc là le code 6832. 68. Voilà. Nickel. Ah, ça j'avais pas vu encore. Encore des mines de pistolets, décidément. Faites voir. Je sais pas si. Ah non, je peux pas accéder vu que j'ai pas de pistolet. Je voulais voir toutes les munitions que j'avais sur le pistolet. En fait, tout à l'heure, j'aurais pu me mettre. Ah non, j'aurais pas pu me mettre là. Ouais, donc j'étais vraiment bien obligé de le buter, ce droïde. Hein. Ah, et comme quoi, là, j'ai bien fait de revenir. Ouais, il y avait cette zone où je pouvais me cacher après. Bon, on va ressortir. Ça, non, on s'en fout de la musique. Effet de voir. Donc maintenant, je peux passer là. Et ensuite, je pourrais accéder là-bas. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, puisque bon là c'était quand même bien tendu, et je me dis ça peut être pas mal de s'arrêter et de faire la suite pour la prochaine vidéo, parce que là si je continue, on sait jamais, ça risque peut-être de durer 20-30 minutes, et la vidéo risque d'être donc bien longue. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et que vous voulez voir d'autres vidéos par la suite, et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde.